Salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le vidéo test gameplay découverte de Dead or Alive 6 sur PlayStation 4. Édité et développé par Koei Tecmo Games, sorti officiel le 1er mars 2019 et Peggy nous le déconseille au moins de 16 ans. Pas de notes sur les différents sites communautaires de jeux vidéo au moment où je fais le test, vu que je l'ai reçu légèrement en avance. Comme vous pouvez le voir, le main theme nous propose différents accès au jeu. Le mode histoire, bon, je ne vous apprends rien. La quête des rois, qui est un nouveau élément du jeu. C'est en fait une suite de combats contre un ordinateur où est-ce que différentes conditions de victoire vous seront réclamées pour récolter le maximum de points et passer à un autre combat. Tels que des coups au sol, finir le combat avec plus de 50% de votre barre de vie, etc. C'est un nouveau mode assez satisfaisant qui permettra que la lassitude n'arrive pas. Pas trop vite, il ne s'agit que d'un simple jeu de combat, mais au moins ça permettra de passer un petit peu plus de temps sur ce jeu. Le mode combat qui regroupe du coup le versus, combattez avec ou contre un de vos amis. Le mode arcade, vous faites face à 8 personnages différents avec une difficulté croissante au fur et à mesure que vous progressez dans ces combats. Le mode contre-la-montre, bon, voilà, hein, ça... Il n'y a rien à dire de plus, c'est un contre-la-montre. Le mode survie, affronter 10 personnages générés par l'ordinateur, une seule barre de vie, et votre vie remonte légèrement à chaque victoire. Le mode entraînement, perfectionner vos techniques sur votre protagoniste préféré. Je vous informe qu'il y a donc pour l'instant 26 personnages jouables, dont deux nouveaux, Nico et Diego. Je vous montrerai un petit peu la gueule qu'ils ont juste après. Le mode en ligne. Affrontez d'autres ennemis du coup en mode online et acquérez un nouveau niveau que vous obtiendrez pour chaque victoire, qui prouvera donc du coup que vous en sortez sur le mode online de DOA. Le DOA central, qui est un peu le glossaire, vous pouvez cumuler dans ce petit compartiment du main theme les nouvelles musiques, les vidéos, bref, tout ce qui est petit succès personnel dans le jeu est regroupé là-dedans, et les options pour tout configurer. Je parlais donc des protagonistes, partant par exemple dans le mode arcade. Je n'en ai pas fait encore, je me suis un petit peu familiarisé avec le jeu en mode survie. On va partir sur du normal pour l'instant. Voilà, les nouveaux personnages. Vous avez Nico et Diego. Comme je vous ai dit, 26 personnages jouables. On retrouve, comme vous pouvez le voir, les personnages emblématiques de la saga. Le retour même de certains qui fera plaisir aux puristes de la saga. Rappelons surtout que... Eh bien, Dead or Alive était aussi connu, même si c'est un jeu de combat qui se veut sérieux, a été très très pistonné médiatiquement pour le côté de l'énorme sexualisation des personnages féminins qui arborait une plastique de rêve. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu des jeux annexes sur, si je vous dis Dead or Alive Beach Volley, vous allez vous dire « Ah, mais c'est donc ce jeu avec toutes ces meufs ultra bien gaulées qui tapent dans un ballon sur une plage avec plus de peau apparente que de vêtements. » On va donc du coup, je vais prendre du coup le personnage que je joue depuis Dead or Alive 2, ayant commencé là-dessus sur PlayStation 2, c'est que ça date. Je vais prendre Kazumi et je vais me lancer du coup dans un petit mode arcade et je vous parlerai plus en détail de quoi il en retourne dans ce jeu de combat. Sans compter que nous pouvons aussi choisir parmi une bonne dizaine de vêtements pour chaque protagoniste, vous les débloquerez au fur et à mesure, peu importe le mode que vous allez choisir, tout se débloque mais par unité. Si admettons un vêtement vous demande 500 unités, et bien une victoire dans un mode survie ne vous apportera qu'une unité sur 500. C'est peu. C'est long, mais il va falloir vous les gagner. Bien sûr, de la monnaie virtuelle est intégrée au jeu. Oh, le grand Hayate-sama. Donc voilà, de la monnaie virtuelle est intégrée au jeu pour faciliter cet achat et accélérer ce fait-là. Le jeu est très très intuitif. La grosse nouveauté de ce jeu... Voilà. Comme vous pouvez le voir, il s'agit... de ce que l'on appelle la ruée fatale. Quand vous encaissez des coups ou que vous en donnez, une petite barre bleue monte en dessous de votre barre de vie et elle est scindée en deux parties. Les deux parties d'un seul coup est un coup beaucoup plus puissant et un seul peut être utilisé pour un contre efficace. Comme je vous dis, le jeu est beaucoup plus intuitif. Une simple pression commune sur la touche arrière de votre adversaire, donc en l'occurrence si je suis à gauche de l'écran, ce sera à gauche pour me reculer.
ça va vite. On va enchaîner de toute façon, hein. C'est que 8 combats, donc on va le faire rapidement. Si je vais en arrière par rapport à mon adversaire et que j'appuie sur la touche carré, un contre est faisable. Si je fais en arrière et que j'appuie sur ma touche R1 pour la ruée, je claque une des deux barres de la ruée fatale pour faire un contre efficace et lui redonner un coup qui lui fera quand même assez mal. On se retrouve avec un peu ce principe un peu X-ray qu'il y avait sur Mortal Kombat. Oh tiens, Onoka. Voilà, quand je vous parle un petit peu de la sexualisation des femmes, il suffit de voir déjà comment elles sont habillées. Mais le jeu néanmoins se veut, comment vous dire, un peu plus sérieux. Sérieux, parce que si je vous dis que l'effet DOA a été diminué, bon, les connaisseurs savent de quoi je parle quand je parle de l'effet DOA. C'est juste fou. Il y a des animations dans toutes les maps, c'est vraiment incroyable. Je vais aussi vous faire un contre pour vous montrer à quel point c'est intuitif. Il suffit juste de faire touche arrière et carré au bon moment. Oh, c'est incroyable ce qu'elle se prend. Bon, allez, vas-y, tente de me frapper. Oh, ok. Voilà. Voilà, il suffit juste de bourriner arrière et carré et vous pouvez faire le contre. Donc ça reste vraiment intuitif. Sans compter que le jeu est beau. Parlons donc du coup de cet effet DOA. On enchaîne, vous avez vu, allez, 2 combats sur 8, ça va très vite. L'effet DOA a été diminué parce que Dead or Alive se veut un petit peu plus sérieux que ses prédécesseurs durant la saga. L'effet DOA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'effet Ragdoll, la motricité des corps. Oh, salut Rig. En fait, les femmes de DOA, dont notamment Kazumi, à peine elles sautaient en l'air, la poitrine des personnages bougeait énormément. Et cet effet qu'on a appelé l'effet DOA, l'effet Dead or Alive, a été grandement diminué dans cet opus parce que ben, le jeu se veut un peu plus sérieux, se veut centré sur le combat et pas sur le visuel de la plastique. Un visuel certes, mais sur la qualité graphique et le contexte environnant du jeu. Il suffit de voir même l'arrière, le background de la scène là sur la... Pourquoi j'ai fait une provocation sans le vouloir et Rig m'a fait bien comprendre que j'avais pas droit de darak avec lui. Du coup, voilà, enfin, il suffit de voir tout ce qui nous entoure, le cadre est franchement très très bien travaillé et c'est un jeu magnifique. Le graph est un énorme point positif sur ce jeu. Troisième victoire. Décidément, le mode normal est pas si compliqué que ça. J'aurais dû peut-être me mettre dans un autre mode supérieur, genre difficile ou même le mode extrême. Il y a 5 niveaux de difficulté, pour information, mais bon, vous l'avez vu brièvement quand je l'ai choisi. Mais voilà, donc du coup, la plastique est moins mouvante, même si par contre les tenues, comme Nio Tengu là par exemple, ce qu'elle porte est assez provocant. Je sais même pas si le mot est vraiment approprié, si c'est pro... Ouais, c'est cuir, c'est bon. Bref. Elle était en train de spammer son attaque pour m'attaquer vers le bas et pas que je me relève. C'est horrible, quoi. Est-ce que le niveau de difficulté normal réside sur le fait de ne pas se laisser se faire relever et que l'ennemi spamme les touches pour que vous soyez en difficulté uniquement comme ça? Ce serait triste. Mais bon. Ouais. Juste un petit peu de voir, hein. Donc voilà, après comme vous pouvez le voir, le jeu parle de lui-même, c'est vraiment sympa, il est très très beau, très intuitif, les combos sont rapides, tous les personnages quand vous les sélectionnez au préalable vous sont montrés dans une micro feuille de stats, rapidité, puissance des coups, le contre, voilà, en fonction de votre style de jeu, si vous arrivez à caster une attaque au bon moment, prenez des personnages plus lents qui feront beaucoup plus mal. Je pense à Bass ou même Ryu Hayabusa. Ou même. Non, j'allais dire Hayate. Mais non. Chun-Li par exemple. Itomi n'arrête pas de contrer mes coups. Ah, ça je l'avais vu dans une vidéo. Il y a un ptérodactyle qui. Comme vous pouvez le voir. Moi je vais me déplacer. Pour pas qu'elle retouche l'œuf quand même. Déjà un bon point. Durant le mode arcade, il se peut... Enfin, non, justement, vous n'allez pas affronter le même adverse, en fait. Mais si vous partez dans un mode survie, vous pouvez avoir, genre, 3 fois le même adversaire qui revient. C'est complètement random. Ah, super, putain. Je me demandais, en fait, depuis tout à l'heure... Ah, ben là, il va mourir. Où est-ce qu'on pouvait se retrouver dans un niveau inférieur, et en fait, c'était contre les racines.
Bah tant mieux, au moins ça me permet de vous montrer en plus tous les effets de map, c'est vraiment sympa. On enchaîne. Un point positif aussi à noter, quand on parle aussi de graphisme, c'est l'effet des blessures. La saleté, la transpiration avait été ajoutée dans les précédents opus de la saga. Prenez-vous divers coups contre les rambardes, etc., comme la clôture, enfin le ring électrifié qui se trouve autour de moi face à la belle et magnifique Christie, eh bien vous allez avoir une dégradation de vos vêtements et même des plaies apparentes avec le sang et même assez profondes où est-ce que l'on peut apercevoir, entre-apercevoir la chair de votre personnage. N'oublions pas que c'est un PEGI 16 et non un 18, donc ça reste quand même assez censuré, mais le fait d'avoir rajouté le dégât et le bleeding corporel du personnage est un point positif pour moi, et c'est franchement banco. Et ça fait plaisir de voir que ce Dead or Alive peut être eh bien négocié par les plus néophytes d'entre vous en termes de jeu de combat, en termes de versus fighting. C'est un jeu très intuitif et n'importe qui peut vraiment s'entraîner face à un ordinateur en faible ou même combattre quelqu'un s'il spamme sa touche de contre avec un arrière-carré à chaque fois qu'il sent qu'il perd l'avantage. C'est pour moi... Oh, hello Bayman. Lui, il fait du CQC, ce que l'on appelle aussi du Commando Sword. Ce sont que des techniques de soumission où est-ce qu'il vous craque les membres. Et je trouve ça génial. Inspiré fortement des techniques de combat de Solid, Naked et Solidus. Liquid, pardon, Snake. Oui, remarque, j'ai cité tous les clones. On n'est pas là pour parler de MGS, on est là pour parler de DOA. On va enchaîner un petit peu quand même, hein. Je suis moins de la barre de vie. On est niveau 7 déjà, plus qu'un seul... Et merde. Ah bah tiens. Je vais plus avoir de reins, voilà, et plus de nuque. Parfait. Hop, voilà, on s'y cure, petit coup par le bas, généralement l'ordinateur ne fait pas ça en normal, on va pas se protéger vers le bas. Vous pouvez avoir bien sûr des contres et des coups haut, milieu et bas. Donc faites bien attention en fonction de la posture de votre adversaire, pour pouvoir adapter vos mouvements et faire en sorte que votre contre soit efficace. Quel est le dernier challenger ? Ah, et bien c'est Diego, dans la ruelle. Donc lui, il a une technique plutôt street fight, plutôt combat de rue, de toute façon il suffit de le voir comment il est. Et même le cadre, le monde dans lequel on se bat. J'avais vu que quand on heurte le public, il nous renvoie sur la scène. Certains même nous mettent un petit coup derrière la nuque, histoire qu'on prenne le dégât, vous savez, le dégât contre le mur. Donc apparemment ça prend des dégâts de toucher les spectateurs. Non, franchement je m'éclate sur ce jeu. Après bon, il n'y aura pas grand chose d'autre à dire. De toute façon le mode arcade me suffit clairement à vous présenter le jeu. À vous de vous le prendre, à savoir qu'il coûte bien sûr le prix fort sur console, 70€. Mais pour moi ça reste un investissement clair et net. Bien mieux que Jump Force que j'ai testé précédemment. Mais j'attends surtout Mortal Kombat 11. 790 100 points, je sais pas ce que ça vaut, s'il faut c'est de la grosse merde. Enfin bref, voilà. On va se stopper là. Je vais faire défiler ce qu'il y a après, donc du coup pour terminer ce gameplay commenté. Vous avez un niveau de personnage qui vous est attribué. Et vous gagnez ensuite des cosmétiques. Vous voyez, voilà, 2 unités sur 500 avant de débloquer la tenue 12. C'est énorme. Bref, sur ce, j'espère que ce test gameplay découvert de Dead or Alive 6 vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et à ciao !